Communion au quotidien. Esclaves et maîtres, tous la même considération. Salutations spéciales à vous tous qui faites bon accueil à Communion au quotidien. Pour ce vendredi 8 juillet 2022, nous abordons un sujet complexe. Vu le poids du passé. Esclaves et maîtres, tous la même considération devant Dieu. Je vous souhaite la bienvenue, amis. Veuillez prendre place avec nous. Sous la dispensation de la grâce, la nouvelle alliance, beaucoup de relations ont évolué. Dès que Dieu eut créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la question de la liberté est la seule règle de vie établie par Dieu. Il a créé l'homme libre et a décidé de ne pas contrôler sa volonté. Un frère pasteur a dit que la volonté de l'homme est si puissante que Dieu a décidé lui-même de ne pas la contrôler. Mais avec la déchéance, c'est-à-dire avec le péché d'Adam, l'homme a décidé délibérément de suivre la voie détournée au lieu de faire confiance à son Créateur. Ainsi, les multiples formes de péché prennent place dans l'humanité, notamment l'esclavage. Ce péché, comme tous les autres, relève de l'orgueil humain, sous le contrôle du malin, dérogeant le principe établi par Dieu et incitant l'homme à faire du mal à son prochain. Ainsi, tenant compte de la dureté du cœur de l'homme à cause du péché et pour éviter le pire, Dieu ordonne une alternative dans certains cas. Et dans d'autres, Dieu établit une règle pour atténuer les conséquences et limiter les dégâts. Mais la parole de Dieu est suivie par qui? Ceux qui connaissent Dieu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Dieu intervient à sa manière. Amis, Dieu est plus sage que les hommes, plus sage que les croyants. Il connaît toutes choses et fait ce qu'il y a de mieux pour l'homme. En Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9, l'apôtre Paul écrit, et je vous en fais la lecture dans la version Parole de vie. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Amis, le mot esclave est le mot qui fait trembler et qui révolte, vu le poids de l'histoire. Je vous invite à explorer une opportunité de recréer l'histoire par notre foi et par le travail. D'où vient l'esclavage? Le mot esclave est le même que serviteur, doulos en grec. À considérer le livre de l'Exode, lorsque Pharaon résolut de réduire le peuple hébreu dans l'esclavage, parce qu'il avait peur pour sa sécurité et la sécurité de son peuple, nous pouvons conclure que la peur, l'insécurité émotionnelle ou réelle sont à la base de l'esclavage.
Avez-vous déjà vécu avec une personne insécure, une personne qui a peur, une personne méfiante? Amis, je vous garantis, si cette personne en a les moyens, rien ne lui empêchera de rendre esclaves les gens de son entourage. Elle provoque la terreur, la peur de l'avenir, la peur de perdre ses avoirs, la peur de perdre son salut, la peur de l'autre, la peur de perdre sa position. L'esclavage naît aussi de l'orgueil humain, de vouloir tout pour soi, de vouloir dépasser l'autre à tout prix, de se comparer aux autres. À ce niveau, pour se donner les moyens de se mettre en sécurité, tous les moyens sont bons pour atteindre ses fins. Hélas! Quelle considération porte la grâce sur l'esclavage? Quel est en réalité le contexte de ce passage? Amis, l'esclavage est un fait malheureux de l'histoire qui est utilisé par des humains pour s'enrichir aux dépens d'autres humains, pour ainsi les astreindre à leur cause. C'est horrible. L'esclavage égyptien n'a pas manqué de laisser des marques qu'aucune mémoire ne peut oublier. En Haïti, l'esclavage a laissé des séquelles que ce malheur de l'histoire impacte encore négativement tant la personnalité des Haïtiens que leur réalité socio-économique et culturelle. À noter qu'à l'époque où Paul écrit ce passage, Éphèse était une colonie romaine. Quel est l'apport de l'Évangile? Quel est l'apport de la grâce dans cette réalité macabre? Imaginons une situation où un maître et un esclave se donnent à Jésus-Christ. Quelles seraient les nouvelles relations? Car les deux viennent de se soumettre à Dieu comme leur maître commun dans le ciel. À ce dilemme, Paul répond comme devant intervenir. Et il y a trois faits marquants que je voudrais souligner dans ce passage. D'une part, spirituellement libre, l'esclave doit se soumettre à son maître comme au Seigneur. D'autre part, aussi spirituellement libre, le maître doit considérer l'esclave comme un égal, vu que les deux appartiennent désormais à un seul maître, l'être suprême. Et enfin, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ce qu'il faut noter, c'est que l'esclave qui vient de se libérer de l'esclavage du péché n'est pas automatiquement libéré de l'esclavage humain. Et le maître qui vient d'être libéré du fardeau du péché ne change pas de vision automatiquement. Les choses se font étape par étape. Le pécheur, qui qu'il soit, esclave ou maître, est libéré de la condamnation de l'esclavage du péché par la foi dans le sacrifice du calvaire. Les deux sont pardonnés, les deux reçoivent les mêmes privilèges par la nouvelle identité en Christ. Cependant, les conditions humaines ne changent pas automatiquement avec les changements de conditions spirituelles. Mais comment s'y prendre? Paul exhorte l'esclave à l'obéissance. L'obéissance au maître et au respect de celui-ci comme au Seigneur. L'âme libérée de la condamnation et de l'esclavage du péché est en train de servir Dieu et non un maître ni un patron. À ce moment, elle jouit de sa liberté avant même de l'obtenir physiquement.
Quelqu'un qui fait bien son travail, tant en présence du maître qu'en son absence, n'est plus un esclave dans son âme. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Étant affranchi par le Fils, vous êtes réellement libre. » Dans un autre contexte, Paul écrit aux croyants de la Galatie, « Le Christ nous a affranchis pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec des chaînes de l'esclavage. » Paul exhorte le croyant encore esclave à l'obéissance pour éviter que les relations deviennent moins respectueuses à cause de sa nouvelle condition spirituelle. Pas moins de 4 fois, Paul insiste sur l'obéissance du croyant. La raison est clairement établie au verset 8. Libre ou esclave, tous rendront compte à Dieu et seront récompensés par lui. Sur la base de ses actes, certainement, mais ce sont des actes posés selon la droiture de son cœur devant Dieu. Ainsi, le croyant n'est plus un esclave. S'il vit une condition d'esclavage, la foi en Christ reste l'alternative pour changer la condition. Il paraît tout aussi étonnant que l'apôtre n'ordonne pas au maître croyant de libérer immédiatement les esclaves qu'il a à son service. Cependant, imprégné par l'Évangile, cela devra arriver. Le maître aussi, un croyant, il est appelé à agir de même envers ses esclaves, notamment ceux qui sont des croyants. Il est exhorté à bannir les menaces, car maître et esclave en Christ ont le même maître dans les cieux. Ainsi, Paul interdit tout traitement dédaigneux et barbare de la part des maîtres croyants contre les serviteurs. L'expression « leur maître et le vôtre dans le ciel » pose une contradiction profonde entre les lois humaines qui accordent le droit de vie et de mort sur les esclaves et la loi divine qui enseigne et établit l'égalité entre les hommes, quelles que soient les conditions. Car Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ce devrait être un choc pour le maître, qui vient d'apprendre que Dieu le considère au même titre que les personnes qu'il traite comme des choses. C'est-à-dire, au-delà des considérations juridiques et légales de l'époque, le maître doit mettre en évidence sa foi en Christ pour épouser la même vision que Dieu qui ne fait pas de différence entre les gens. Amis, c'est un processus. Discernant la volonté de Dieu, revêtu de l'homme nouveau, se soumettant aux exigences de la grâce à la hauteur des privilèges reçus de Christ, le maître croyant ne fera pas de distinction entre les gens, ce qui aboutira à la liberté. Donc, le maître devenu croyant est appelé à traiter les esclaves, notamment ceux devenus tout aussi croyants, avec une justice à contre-courant des lois établies par le gouvernement romain de l'époque. Donc, de l'égalité des croyants sur la base de leur foi entraînera l'égalité sur le plan de la liberté physique et la transformation naîtra des nouvelles relations. Amis, je suis d'accord avec ceux qui pensent que le christianisme devait pur et simplement conduire à l'abolition de l'esclavage. Tout en sachant que la foi chrétienne ne remplace pas l'État ni le gouvernement dans aucun pays. Cependant, la Bible n'interdit nulle part aux esclaves d'utiliser les moyens à leur disposition pour se libérer de ce joug infernal et diabolique. Parallèlement, Dieu est dans la révolution de la grâce par l'influence spirituelle du dedans au dehors et non par la violence. Quelque chose m'intrigue.
Et vraiment, comment comprendre des colons qui imposent l'esclavage aux autres en utilisant la Bible ou des passages bibliques pour atteindre leur cible ignorante et commettre leur forfait? Pire encore aujourd'hui, Bible en main, des mercenaires encouragent, approuvent la mauvaise condition de nos frères imposée par ceux-là même qui sont placés pour travailler au bien-être de la population. Amis, c'est dérangeant. Le mal est à dénoncer sous toutes ses formes. Des péchés multiples qui nécessitent repentance et réparation pour avoir terni l'image de Dieu en l'homme et privé des concitoyens de la jouissance de leur pleine liberté. Et je le crois, Dieu ne manquera pas de juger quiconque aura asservi un seul de ses enfants. En conclusion, les relations de travail aujourd'hui, dans bien des cas, ressemblent aux conditions d'esclavage du temps. Cependant, le croyant doit considérer qu'il travaille pour Dieu, qui le récompensera selon sa justice, et non pour un patron qui pourrait bien être injuste. L'esclavage, comme un malheur de l'histoire, a encore des conséquences sur des vies. Cependant, nous devons dépasser cet état d'âme pour embrasser une nouvelle alternative, une vision du monde pour transformer notre vie et notre environnement par la foi et le travail, tout en excluant toute forme d'injustice qui pourrait nous rappeler l'esclavage, le malheur de notre histoire. En Christ, nous sommes libres. Et amis, nous ne nous laisserons asservir par personne. Prions. Père d'amour, je te rends grâce pour la liberté que tu as acquise en ma faveur par le sang versé par ton Fils à la croix. Je te remercie pour la révélation de ta parole qui redéfinit les relations diverses, notamment tes considérations au même titre pour tous tes enfants. Je bénis ton nom pour la grâce de nous approcher de toi par la seule médiation de Jésus-Christ. Je glorifie ton nom pour la pleine jouissance de la liberté en Christ. Permets que notre vie puisse témoigner de ta grande bonté envers nous. Je te demande, tendre Père, de nous ouvrir les yeux pour regarder les nouvelles opportunités que tu nous offres en Jésus-Christ. Je te rends grâce pour notre ami Bertrand qui a pu retrouver sa famille. Nous prions pour sa santé mentale et physique. Révèle-toi à notre frère et donne qu'il puisse tourner ses regards vers l'avenir. Nous continuons de prier pour la consolation et le réconfort des familles endeuillées. Père, tourne tes oreilles vers notre frère Harold Osius, pour sa santé physique, pour son réconfort, après le départ de sa femme et de son beau-père. Pourvois, tendre Père, aux besoins de notre frère et de toute la famille. Nous prions aussi pour le pasteur Vauclair, qui a perdu sa maman. Daigne consoler notre frère et sa famille. Nous prions pour notre pays. Guéris notre peuple et redonne l'espoir à cette population qui continue d'être victime des péchés des autres. Nous prions pour le foyer de communion. Merci de prendre le contrôle de nos démarches et donne-nous du succès dans tout ce que nous entreprendrons pour ta gloire. Je prie pour chaque personne que tu connectes à notre service. Interviens dans la vie de chacune d'elles et bénis chacune de leurs familles. Notre famille est devant toi. Nous comptons sur tes faveurs et ta provision. Que ton Saint-Esprit complète notre prière
et traduise nos soupirs devant toi, et que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amis, Dieu est plus sage que les hommes. Il est plus sage que nous. Faisons confiance à sa sagesse. Laissons-nous conduire par lui. Il est le maître de l'histoire. Je sais qu'il travaille pour chacun de ses enfants. Célébrons notre liberté en Christ aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu.